Hello à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un unboxing. Donc je m'excuse par avance pour ma voix parce que je suis malade. Donc je sais pas le rendu que ça aura en vidéo. On va commencer tout de suite. Donc on va unboxer ensemble la Woodbox. Donc pour ma part c'est la première. Pouvoir vous donner mon avis hein, en toute objectivité et sincérité, vous connaissez, parce que de toute façon il n'y a pas de partenariat, je l'ai prise toute seule comme une grande, donc voilà. Bon, déjà elle est bien emballée hein, je l'ai reçue dans un carton voilà. Bon, je pensais qu'elle rentrerait pas dans ma boîte aux lettres, bien que ma boîte aux lettres soit grande. Je la voyais un peu plus grosse peut-être, mais voilà, elle est parfaitement rentrée, livrée en 48 heures. En même temps, j'ai envie de dire, j'ai quand même payé la livraison 9 €, donc c'était la moindre des choses. Hein. Mais les délais sont respectés, ça c'est important de le dire parce que ça compte beaucoup pour moi aussi. Si je mets trop de temps à recevoir quelque chose voilà, pour lequel j'ai payé une livraison assez onéreuse, il faut le dire, et ben ça m'énerve. Donc voilà comment ça se présente. C'est très joli. Vous avez une boîte comme ça. Et vous avez aussi une petite publicité, donc Harry Potter. On va enlever tout ça. Alors déjà, elle présente bien, ce qui est une bonne chose. La boîte est très jolie, il y a des détails dessus très sympas, donc plateforme 9 3/4, la petite enveloppe, le serpent qu'on n'oublie pas, la tête de lion, enfin bref, voilà, le vif d'or. Est-ce qu'il y a les autres maisons représentées dessus? Non. Bon, vous avez là, le lion pour le lion pour Gryffondor, Edwige, serpent pour Serpentard, et puis voilà. Ensuite, je la pose parce qu'elle est quand même assez lourde. Oh punaise. Heureusement que j'ai un bureau juste à côté. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. J'espère que vous verrez bien. Donc vous avez une publicité pour Lego. Hein. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y aura des nouveaux Lego sur... ouais, en 2019. Donc ça c'est bien à savoir. Bon après je suis pas une grande fan de Lego, hein. J'ai fait un unboxing sur ma chaîne par rapport à la calèche là, vous savez, des AF2. Et puis je me suis fait aider en plus pour la construire parce que je suis vraiment une quiche. Hein. Donc voici la pub. Donc en gros en 2019 il y aura d'autres Lego. Moi ça me surprend pas. Hein. Ensuite je vais prendre les choses comme elles viennent. Parce qu'on a pas mal. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a? Voilà donc un petit truc à construire du Patronus. Tac tac tac. Donc pas besoin de colle ni rien. En fait, ça s'emboîte. C'est en bois, c'est ça. Donc, je vais vous montrer ça. Il y a un mode d'emploi, etc. Voilà. Et en fait, il faut détacher les pièces et construire. Voilà. Donc, je sais pas si j'arrive ou voilà, que j'ai le temps, je vous mettrai un petit clip de la construction. Tout ce qui est petit truc à construire, c'est pas trop mon truc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, des Lego. Quelqu'un qui aime pas trop construire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Harry Potter, donc avec son petit chariot, son chaudron, etc. Saccagé de vie. En tout cas, d'après l'image, si vous voyez bien, ça a l'air très sympa. Donc, bon, pareil. Peut-être un clip en accéléré ou quelque chose dans le genre, voilà, ou déjà tout monter, comme ça l'affaire est close.
Ensuite, un vêtement. Donc, un t-shirt Gryffondor. Bon, on va l'enlever du plastique. En tout cas, ce sera le premier pour moi, un t-shirt Gryffondor. Voilà. Le rouge ne me va pas au teint. Hein. C'est pour ça que je suis pas dans leur maison. Non, je rigole. C'est même pas pour ça, putain. Voilà. Il est beau, hein. Faut l'avouer. Il est pas mal. Après, comme je vous l'ai dit, regardez sur moi le rouge. Oh putain. Ça flash trop. Quoique là, ça fait un peu rouge bordeaux, mais ça fait plus rouge que. Voilà. C'est tout. Est-ce que je le mettrai ou pas? Je ne sais pas. Très sincèrement, j'ai l'impression de tromper ma maison comme ça. En tout cas, c'est de la très bonne qualité. Hein. Sachez-le d'avance. Nous avons un mug chaudron. Oh putain, il est trop beau. Il est lourd, hein, celui-ci, hein, quand on le prend comme ça. Donc, c'est un mug en céramique avec l'insigne de Poudlard. Hop, ouais, il est vraiment très... Il pèse, hein. Il est très grand. Il est très sympa aussi. Donc, vous avez Harry Potter décrit là. Le symbole de Poudlard. Il est noir et mat. Et ça, c'est très bien. Mais pas le mat qu'on connaît parfois qui laisse des traces de doigts. Donc là, c'est vraiment très sympa. Je trouve que pour une déco comme ça, parce que moi, je pense pas prendre mon petit déj dedans, mais pour une petite déco sur un bureau et étagère, c'est pas mal. Et pour finir, le meilleur pour la fin, une petite pop toute cute. Donc c'est ben, McGonagall. Voilà. J'espère que vous la verrez bien. J'ai pas trop envie de la sortir du carton là. En plus c'est une édition spéciale. Donc voilà. Vraiment elle est très très belle. Hein. Elle est toute cute. Voilà. Donc j'aime beaucoup personnellement. Je vais la laisser dans sa boîte comme ça. Moi, parfois, je les sors, comme vous voyez, elles sont derrière moi. Mais les boîtes sont pas loin. Hein, parce que il y a toujours les boîtes au cas où je bouge, etc. Ou... Parfois, j'ai envie de les remettre dans les boîtes. Mais elle est vraiment très jolie. Donc, voilà. Donc, pour conclure, vous avez un mug. Vous avez donc un t-shirt Gryffondor. Une pop. Une pop donc en édition spéciale. Ce qui est une bonne chose. Une construction Lego, une petite construction 3D là, et bah c'est tout, voilà. Et je trouve que c'est déjà pas mal. La box vaut 49€ si je vous dis pas de bêtises. En tout cas, je vous mettrai le lien du site Woodbox, un code promo aussi. Pour avoir 5€ en moins. Et bien écoutez, globalement, je suis satisfaite de cette box. J'aurais juste voulu un t-shirt Serpentard, mais bon, bref. En fait, le t-shirt Serpentard était dans la box précédente, puisque celle-ci, c'est la deuxième. Donc, je pense que je vais rester abonnée pour le moment pour voir un petit peu comment ça va se passer. Sinon, vous pouvez vous procurer bah, la box précédente sur le site. Je l'ai eu à 29,99€, la première, et celle-ci... Pour le moment, elle est à 45 ou 46 euros, je sais plus. Bon, bref, une quarantaine d'euros après à voir si elle va peut-être baisser ou pas. En tout cas, vous avez déjà un code promo si vous souhaitez la commander. Et normalement, la valeur, je crois, est de 70€, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin bref, je vous listerai tout en barre d'infos. Mais là, ça vaut son pesant d'or, donc voilà. Si jamais quelqu'un a le t-shirt Serpentard en S, moi j'ai le Gryffondor en S, donc on peut faire l'échange si vous voulez, voilà. Ça me dit pas trop de garder le t-shirt Gryffondor, voilà. Globalement, je suis satisfaite de cette box, je vous la recommande. Et puis, bah, écoutez, je vous liste toutes les infos en barre d'infos. Je vais que me répéter, mais c'est pas grave. Voilà. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Voilà. Et en attendant, bah, écoutez, moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!